Laissez-moi bien m'étendre. Aïe. Maman. Maman. Partagez le direct, s'il vous plaît. La plus bio de sa génération est dépassée. Paris fait peur. Paris fait peur. Les gens de Paris font peur. Les Camerounaises et les Camerounais de Paris font peur. Maman, maman, bonjour, on enregistre. Au revoir, on enregistre. Comment tu vas? On enregistre. Respiration, on enregistre. Mok fouchikote. Bipez-moi tout le monde là. Bipez, je dis bien tout le monde, n'oubliez personne. Maman, j'ai dit que bonjour, on enregistre, au revoir, on enregistre. Comment tu vas, on enregistre, respiration, on enregistre. Mokfou, chicote. Paris fait peur. Paris fait quoi? Peur. Marma, Paris fait peur, Marma. Bonjour, on enregistre, au revoir. On a même quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas envie qu'on le trahisse, que s'il sort sur Facebook, tu vas courir avec lui, tu le sors quand même. Maman, le pu à l'œil. Paris fait peur. À qui profite le crime? À qui profite le crime, ma crème des crèmes? Partagez la vidéo, bipez les voisins. Partagez la vidéo, bipez les voisins. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Dieu pensable. On peut faire ça. À qui profite le crime? Maman, Paris fait peur. Paris fait peur. Ce n'est pas possible. Maman, bonjour, on enregistre. Au revoir, on enregistre. Comment tu vas? On enregistre. Respiration, on enregistre. Vos téléphones ont quelle capacité? Vos téléphones ont une mémoire externe. Vos téléphones que vous avez là ont quoi comme ça? Comment vous faites? Tout ça reste où quand on finit d'enregistrer? À qui profite le crime? Bipez-moi toutes les personnes même qui sont enregistrées. Tu reçois l'enregistrement, je dis que maman, tout genre d'enregistrement. Peut-être faut que j'aille chercher l'ordi pour vous mettre les enregistrements. C'est terrible. Paris fait peur. Paris fait peur. Les Camerounaises, les Camerounais de Paris. Maman, bonjour, on enregistre. Au revoir, on enregistre. Tu manges, on enregistre. Tu respires, on enregistre. Paris. Partagez la vidéo si ça arrive à Paris. Ça arrive d'abord à Foumban. Après Foumban, Paris. Pardon, commencez par Foumban. Foumban, Foumbot, Bamoun. Maman, Paris fait peur. Hey! Quelqu'un ne peut pas causer avec une personne calmement. Comment tu vas? On enregistre. Bonjour, on enregistre. Respiration, on enregistre. Sans compter celles qui prennent les clients. Au lieu de raccrocher le téléphone pour prendre le client, tu prends le client avec quelqu'un en ligne. La personne a l'enregistrement du client. Je fais tout sauf le chat film. Maman, maman, Paris fait peur, bon, Carole. Carole, Paris fait peur, ma chérie. C'est pas comment on va faire avec les gens là. Comme je suis toujours avec les maigres, vous, là, vous n'allez pas partager. Mais je vais parler. Vous allez me mettre où? Je vais parler. Paris fait peur. Paris fait peur. Non. Non. Une communauté. Je ne sais pas si c'est dans les autres communautés. Hein. Je parle de la mienne. La communauté camerounaise de la France. Faites attention de la France. Quand un Camerounais t'appelle, fais attention. Parce qu'il t'enregistre. Que tu dises quelque chose de bien, que tu dises quelque chose de mal, il t'enregistre. Non, mon frère Faustin. Nous n'avons pas grandi comme ça, Faustin. Moi, quand je grandissais, quand j'étais une jeune fille ou quand j'étais mûre, je sais pas. Je sais pas. Quand je grandissais, je n'étais pas comme ça. Pourquoi enregistrer les gens? Quelqu'un demande qui ne sait pas pourquoi je vais là-bas. Je vais là-bas parce que j'aime la Starmania. Je fais aussi vivre mon blog. Je suis quand même une star. Mais c'est terrible, Faustin. Polluer ces petits. Est-ce que quelqu'un peut téléphoner dans le direct pour me dire ce qu'il en pense et à qui profite le crime? Vos mémoires de téléphone, vous avez quelle mémoire de téléphone? Vos téléphones ont quelle mémoire? Retrouvailles mondiales, là. Tu as essayé de partager d'abord ma vidéo, je te bloque. C'est comme ça que vous êtes venu mettre vos liens bracata ici, là. Regardez, mon ami, tu es banni. Mais c'est pas possible, mais c'est très grave ce qui se passe, là. Mais Paris fait peur.
non. Quelqu'un me demande que pourquoi tu vas là-bas, mais je vais là-bas, mais je ne vais pas pour l'enregistrement. J'ai aussi mon blog à faire vivre, là. Écoute, si j'ai un événement aux États-Unis à venir d'ici 2 semaines, si ça tient, bon, je vais faire un tour à Washington. C'est comme ça. Il y a certaines conditions à remplir, c'est rempli, je m'en vais. Non, Paris fait peur. Si vous n'avez pas peur de Paris, mais moi j'ai peur de Paris, là. Mais un oui, bonjour, on enregistre, au revoir, on enregistre, tu fais quoi? On enregistre, tu respires, on enregistre. Tout et n'importe quoi. Donc les gens, vous vivez dans quel climat? Les gens ont peur? Les gens ont peur? Oh non, Paris fait peur, Vladimir Elia, ou c'est Vladimir, quoi là? Paris fait peur. Mais attends, moi j'ai pas grandi. Faustin, tu connais comment on a grandi? Moi j'ai quelque chose à te dire, je te dis, sinon je me la ferme. Et je te vois, je te salue parce que tu es un frère. Moi je sais pas comment on va faire. Écoute, je viens d'avoir un enregistrement d'une dame qui est en train d'insulter une autre dame comme quoi elle prend les clients devant les enfants, elle dit que telle est milliardaire, elle dit que ceci. L'autre aussi qui reprend ma valise de 300 euros, c'était monté, c'était descendu. J'étais demandé où sont les représentants. Pourquoi même vos compagnies sont mélangées dans un mailing pot là? Mais Paris donne la chair de poule. Est-ce que je vais encore prendre les téléphones des gens? Est-ce que je dois communiquer avec les gens? Est-ce que... Heureusement que moi, ce que je dis, c'est ce que je pense. Je vais vous inviter. Non. Je vais vous inviter à avoir une attitude, l'attitude que j'adopte. C'est pour ça que mon enregistrement ne va jamais rien faire. J'ai dit ça haut et j'assume. Non, Paris fait peur. Paris, je ne sais pas si la France au complet, mais Paris fait peur. Les Parisiens, de Camerounais de Paris, là, ça fait peur. Maman. Hein? Ça fait peur. Moi, je pense que nous devons avoir une attitude et comment communiquer. Ça veut dire que quand ton téléphone sonne, ce que tu dis, c'est ce que tu peux dire devant les gens. Donc, tu ne peux plus te mettre derrière et dire que, ouais, la mère, là, sa perruque, là, c'est Rasta, là. Comme la PDG des plantes avec sa perruque, alléluia, qui a les poules dedans qu'elle a aussi portées pour me ressembler, là. Maman, moi, les gens qui me donnent des perruques sont des gens de qualité, ils me donnent des vraies perruques. Des perruques travaillées. On prend même peut-être un mois avant de la confectionner. Pas les perruques qu'on prend la corde qu'on a fait en Turquie, on mélange avec le fil qu'on a fait en Chine, on coupe. Paris fait peur. Paris fait peur. Vous avez compris ce que je vous dis là? Paris fait peur. Oh, Seigneur. On va faire comment? On va s'en sortir? Vous pensez? Je dis même éviter de se mélanger. Finalement, on ne sait plus qui est la racaille, qui n'est pas la racaille. Parce que la femme qui est en train de ramasser l'autre là, pour parler de celle qui parlait de la valise et de 300 euros et de qui parlait pour l'autre dame aussi là. Et tout. Mais elle disait qu'elle va coller un avocat à ses trousses là. C'est une grosse affaire là. Ça veut dire que même quelqu'un qui a l'air normal, qui travaille, parce qu'elle semble être une femme qui travaille, qui a sa société, du moins qui travaille depuis qu'elle est arrivée en France. Elle a fait un mois, elle travaille dans la même compagnie. C'est tout ce qu'elle racontait dans les audios de la madame. Et elle semble être une femme réglo carrée. Elle a dit qu'elle va payer les blogueurs pour venir salir l'autre et payer, coller l'avocat aux fesses et je ne sais pas quoi là. Et elle a tellement parlé, cette dame-là, là. Je suis dépassée. Tu sens que c'est une femme qui a peut-être une vie pure en gel, elle est même mariée. Elle peut s'offrir des petites choses. Elle n'aspire pas au milliard. Mais Paris fait peur. Comment tu vas savoir que quelqu'un est racaille en fait? Comment tu vas savoir? Finalement, nous avons grandi dans des quartiers différents, nous avons eu des éducations différentes, des niveaux de vie, des environnements différents, mais on peut quand même se côtoyer, on est des humains. Donc vous dites maintenant qu'on est obligé de se tenir, dont les riches sont avec les riches, les pauvres avec les pauvres, je ne sais pas quoi, les racailleux avec les racailleux, mais la constipation de ça, on ne va pas être capable de se mouvoir, ni d'apprendre, ni de se soutenir parce que tout le monde sera calé. On doit c'est une mixitude. Les populations, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas moi, c'est-à-dire une population cosmopolite. On doit être un peu, on doit se mixer là. Mais dans la mixitude, il faut maintenant qu'il y ait des gens. Non, mais allô quoi. Mais Paris fait peur. Mais Paris fait peur. Quand on ne t'enregistre pas pour balancer que tu fais le piment, on t'enregistre même pour te salir, pour te salir. Vous êtes sérieux là? Je demande à vos enregistrements, ça se passe dans un coup de téléphone ou des audios que quelqu'un s'envoie, tu envoies 50 audios et puis l'autre te fait suivre à l'autre et un beau matin ça sort. Je ne comprends pas. Comment un audio qu'on m'a envoyé se trouve dehors? Je ne comprends pas. Paris fait peur. Mon oiseau bleu est là, qu'il est magnifique. L'autre jour il s'est lavé. Oh, il est encore venu se laver. Il adore prendre son bain ici. Oh my God. Il prend son bain dans le bac à sable. Allô mon coco. Tu fais le bruit. Il lève la tête. Il se lave. C'est beau. Dans ma terrasse, je vois un oiseau bleu tout mignon qui se lave. Avez-vous des oiseaux bleus qui se lavent dans votre terrasse?
Je pense pas. Ces vieilles chouettes qui sont sur ma vie, là. Celle qui a l'appartement, entre, couche-toi, là. Est-ce qu'elle a un oiseau bleu qui se lave sur sa terrasse? Question. Je bannis, hein, quand tu viens écrire les choses bizarres. Vraiment, maman, cette femme à l'autre côté, là, fait tout pour te ressembler avec ses joues comme le pompé. L'autre a dit que c'est bulldog. Et je suis son... Je dis que je suis son comment on appelle ça? Son mirage. Elle m'envie tellement. Elle a toujours voulu être mon amie, hein, cette fille au Canada. Je ne peux pas être son amie. C'est une racailleuse. C'est une fille de bas quartier. Je ne peux pas me mettre avec une fille comme ça. Elle parle tout ce qu'elle parle, mais elle n'a jamais été mon amie. On n'a jamais traîné ensemble. Jamais de la vie. Je crois que si j'ai une photo avec elle, on s'est trouvé un jour quelque part et une personne nous a filmé. On allait à une fête. On nous a filmé côte à côte. Cette photo, le même brandissait ça comme son trophée de gloire. C'est quand quelqu'un vous aime là. Les téléphones ont quel genre de mémoire? Ça, c'est une question que je me pose. Les téléphones des gens de France qui enregistrent ont quel genre de mémoire? Donc, vous finissez de... C'est pour ça que les gens ont trois téléphones. Ils disent que ce téléphone-ci, il faut que je le garde. Ce téléphone, mixitude. Non, mais oui! Nous sommes... C'est-à-dire qu'on doit se mélanger. C'est-à-dire que tu arrives dans un milieu, tu trouves des gens... Bien, comportement, bah ouais. Et puis, that's it. Hein? Franchement! Ma tenue, j'adore montrer mes épaules. J'ai de très belles épaules et mes jambes aussi, j'adore. Je m'aime. J'aime ça, montrer mes épaules. Mais quand je couds un beau vêtement, là, je sors ici comme ça. Si c'est magnifique avec le cou, la prolongation, j'adore. C'est magnifique. C'est pour ça que je ne mets pas le maquillage. Je suis toute belle, naturelle. Voilà. Et j'adore. Bonsoir, jolie femme. Celle qu'on ne baïonne pas et qui combat la saleté des réseaux sociaux. Oui, je les combats propres. Tu as vu, non? La Guigui, l'ex prisonnière condamnée. Merci, Matozoa. Tu as dit que ce n'est pas que Coco Kouetou. Ce n'est pas que Coco Kouetou à y penser. Ce n'est pas que Coco Kouetou. J'ai eu les enregistrements de Nadez Papa qui parle de Julie, la sœur de Yvan Gomatsip. Long comme ça. Je vous mets ça, vous écoutez. Nadez Papa qui est en train d'en vouloir à Yvan Gomatsip. Parce que Yvan Gomatsip a dit à sa sœur que Nadez a couché avec son gars. Oh! J'ai dit que oh! Nadège, je raconte à qui? À Coco Kouetou, je ne sais qui. Parce que la voix l'a fait comme si c'était Coco Kouetou. Et c'est dehors. Non! Je vous dis, le problème de Nadège et Yvette, c'est ça. C'est sorti, ça vient me trouver. Au jour d'aujourd'hui, ça dit que Yvette ne fait que m'appeler que oh, la famille a fait que la famille a fait que j'en ai rien à foutre de la famille. Ça n'a pas pris une tour sur Facebook, vous voulez qu'on fasse quoi? Je peux mettre l'audio là, vous écoutez. Je dis bien, Nadège Papa, qui est sorti avec le gars de la cousine. De la grande soeur consanguine de Yvette et qui est venue se confier à Yvette que j'ai couché le gars de ta grande soeur. Yvette va te dire à ta grande soeur que méfie-toi de Nadège. La grande soeur est partie redire à Nadège. Voilà le truc. Hein. Nadège est maintenant fâchée de Yvette. Qu'elle s'est confiée à son amie Yvette de ce qu'elle a fait à la soeur de Yvette. Tu veux que je sois la soeur de quelqu'un. Tu te confies à elle. Elle dit à sa soeur, ça devient un problème. Maintenant, la soeur aussi porte Yvette, pas déposée chez Nadège. Non, maintenant, la soeur même plus amie à Nadège que Yvette. Finalement, c'est qui même qu'on veut protéger? Des fois, même, il faut regarder les choses et se taire. Je peux vous mettre l'audio là si vous voulez. Les enregistrements de Paris. Paris fait peur. On va faire comment pour se trier? Je ne sais pas. Coco Kouetou, c'est la troisième guerre mondiale. Coco, ce qui va appeler dans le direct, Njomwe, 8 boules de couscous, 50 boules. Je suis une femme mariée actuellement, car je suis très contente de vous écrire. Petit texte, quoi. Si c'est vous là, vous les marabouts là. Les maîtres et tout. Là, de moi-même, je me suis mariée, mais je n'ai pas eu besoin du maître. Il faut aller voir Ngoyi et PDG des plantes et chercher les hommes. Et même la lionne. La petite, la fille qu'on appelle, c'est-à-dire que je l'appelle quoi, la blogueuse en herbe. Elle recherche les vies. Il est revenu se laver. Il est tout magnifique. Oh, regardez juste ça, c'est magnifique. Oh my God, il est so cute. Il se lave. Allô, mon coco. Pi, 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 pi. Je cause avec les oiseaux. Ça, c'est la beauté de la vie. Toi, tu bois ton thé calmement, les oiseaux chantent à côté de toi. Est-ce que vous vivez ça un peu, là? Est-ce que vous vivez ça dans vos âges avancés, là? Hein? Guigui qui est née en 73, elle a 49 ans. Mais non, oui. Ouais, Seigneur, vous allez me tuer. Malheureusement, c'est à partir d'une déception qu'on sait qui est qui. Merci. Reine, partage ma vidéo sur mon bruit. C'est qui ça m'embête, tranquille, là? J'ai maintenant peur de parler. Oui. Avoir peur de parler avec les gens. Je dis que la soeur, écoutez bien, affaire de la soeur, là, celle qui a la tandorine, le restaurant tandorine que Ngoya a parlé là. Julie, restaurant tandorine là, de Paris là, dans le 18e ou le 17e, château d'eau, château, whatever, son restaurant là. La femme là, c'est la soeur consanguine d'Yvan Gomatsip. Ok? Elle s'en va, ça dit que par derrière, Ngoba pas, vient couper le gars de la soeur.
Ngoba pas dire Yvette que j'ai coupé le gars de ta soeur. Yvette va dire à sa soeur que méfie-toi de Ngoba pas, elle a coupé ton gars. La soeur va retirer Ngoba pas, elle se lie d'amitié. Ngoba pas commencer à insulter Yvette parce qu'elle est fâchée. Ce qui est correct parce que tu es parti me trahir. Mais Yvette veut protéger sa soeur, mais elle n'est pas plus avec sa soeur qu'autre chose. Et c'est une grande soeur. Vous allez me dire que quoi? Maman, vous ne répondez plus à l'autre femme là. Elle est amoureuse de toi, mais sauf que toi, tu n'es pas tu. Maman, je peux être tu du. Hey! J'ai dit qu'elle m'a faux. Je peux même pas lui répondre, elle m'a faux, je te jure. Je mets l'audio. Attendez, je vais aller chercher l'audio. Il faut que je prenne l'audi. Parce que là, je vais aller chercher l'audio de la sœur. Vous allez suivre l'enregistrement. Donc, c'est pour vous dire que, au-delà du Chiquituya, donc, celle qui est venue avec la maman des beaux gosses aujourd'hui chez Ducamé pour nous expliquer comment la maman des beaux gosses, le piment, les enfants, les ceci, trop de choses, je ne sais pas. Et toute une histoire qu'elle a appelée au client, c'est bon, elle a dit que je fais tout sauf l'onjoie de Cheneto. Tout ça est là-bas sur Facebook. Et la maman des beaux gosses aussi qui a répliqué, c'est aussi là-bas sur Facebook. Ok? Elle m'a fait direct aujourd'hui pour encore répondre à la fille, c'est là-bas sur Facebook. Que des enregistrements. Est-ce que vous, quand vous vivez, vous avez peur que quand vous parlez aux gens, ils ne vous croient pas? Donc, ça veut dire que vous êtes personne fausse. Vous êtes obligé d'avoir un enregistrement pour appuyer vos conversations. Vous n'êtes pas capable de convaincre quelqu'un. Ça veut dire que tout ce que vous faites, c'est du mensonge et état mensonger. Parce que comment un être humain doit marcher avec des enregistrements tout le temps? Comment un être humain doit marcher avec des enregistrements tout le temps? Donc, ce que vous faites, en fait, c'est tellement faux qu'il faut que vous enregistrez pour avoir la véracité de ce que vous faites. Vous n'êtes même pas capable de vous rappeler de ce que vous avez dit. Vous n'avez pas une mémoire enregistrée. Donc, vous êtes obligé d'enregistrer tout et n'importe quoi. C'est ce que ça veut dire. Parce que l'affaire de Ngobapa, qui a le macabre de Yvette Ngomati, quand vous entendez, on va dire que Manke, c'est maman que j'ai l'audio. Est-ce qu'elle parle quelque chose derrière? J'ai dit que Ngobapa a le macabre d'Yvette parce qu'Yvette a trahi Ngobapa chez sa sœur. C'est pour ça que Ngobapa est fâché d'Yvette. Maintenant, quand la sœur. Donc, quand Yvette va mettre sa sœur en garde, comme elles ont les liens de pimenterie et qu'elles sont complices dans leur piment, chacun doit cacher le camion de l'autre, comme Ngoye et sa copine Perpétue Maléba. J'ai dit ça, Hora. Chacune doit cacher l'adresse de chacun, le camion ou la maison. OK? Voilà que maintenant, elle vient plutôt détester sa sœur et s'unir avec Ngobapa. Elle devient meilleure amie avec Ngobapa qui insulte sa sœur tout le temps. Vous êtes sérieux dans Facebook, là? On va s'en sortir. Paris fait peur. Si vous n'avez pas peur de Paris, vous n'avez pas peur de la mort. Paris, les Camerounais de Paris. Oui, on enregistre au revoir, on enregistre bonjour, on enregistre dormir, on enregistre respiration, on enregistre. Vous avez peur qu'on ne croit pas à ce que vous dites. Donc vous n'êtes pas assez crédible. Donc vous êtes des mythos par excellence. Vous dites quelque chose et son contraire. Vous avez besoin d'enregistrer tout et n'importe quoi comme ça. Parce que les enregistrements de la dame avec la maman des beaux gosses, c'est grave, hein. Ça dit, ça part de si, tu as dit que comme ça, tu as dit que quoi là, que les représentantes ont fait si, que les gélules marchent, et que tu fais des sociétés fictives, et que si, et que ça, tout un tollé. Aïe, donc trop de fake people sur la toile, vous êtes faux sur la toile comme ça. Donc, vous nous montrez, vous nous vendez, c'est-à-dire que c'est le tohu-bohu. Vous nous embrouillez comme ça sur les réseaux. Paris fait peur, je vous dis ça, Hora. Mais c'est pas possible. Quelqu'un t'appelle, tu ne sais plus. Vous avez vu ici, je me suis fâchée avec Maria Satan parce qu'elle m'appelle pour son problème. Je m'allais voir Jaguar pour parler du problème. Elle m'enregistre. Moi qui? Moi quoi? Je devais dire quoi que je n'ai pas dit et que j'avais peur de dire et que je devais dire différemment. Comme elles sont, je vous ai dit que surtout celles qui ont le léisme dans elles. Maflo, je t'ai appelé fatiguée. Faut que toi je te parle. Oh, tu es fatiguée. T'ai appelé Maflo fatiguée. Oh, c'est comment est toi? Faut que je te parle de vive voix. Je t'ai appelé fatiguée. C'est la milliardaire qui a enregistré. La milliardaire qui a enregistré Patricia. Patricia, comment on appelle la maman des beaux gosses. C'est la milliardaire. Quelle milliardaire? Moi, je dis l'affaire de la maman des beaux gosses. C'est qui encore qui est milliardaire ou la milliardaire de Monopoly? La milliardaire dans sa tête, là. C'est qui a l'appartement entre et couche-toi? C'est qui a enregistré? Entre et couche-toi, les appartements, on entre, on marche avant de commencer à voir les pièces, on marche beaucoup. Ça, là, c'est entre et couche-toi. Par là, qui? Par là, qui? Hein? Paris fait peur. Bertrand Chic, oui. Oui, c'est qui? La fille qui est en train d'accuser Patricia, c'est elle qui l'a enregistrée. Parce qu'elle a dit qu'elle préparait de quoi, machin et tout. Bon, il y a aussi la réponse de Patricia, la maman des beaux gosses. Elle s'appelle Maria, mais celle qui a enregistré. On peut faire ça. Même si c'est ton ami. Est-ce qu'on fait ça même?
C'est une banquière. Oh là là. Est-ce qu'on fait ça même? Mariam, c'est quoi même que vous faites comme ça? Et puis vous venez nous verser ça. Et vous préparez ça. C'est prémédité. C'est une longue période. Pour un bon matin, on te balance ça. Tu vois les autres comme ça. Pour coco et tout. Comme je vous dis là. On ne va pas. Après le gars de la grâce de Yvette, un de ses gars. Parce que la grâce elle-même, c'est une autre. Parce que piment et demi. J'ai dit ça, oh ah! Manque, elle ne m'appelle pas pour dire que la famille est montée et descendue. Ça nous a trouvé sur Facebook. Non, on ne parle pas dans vos familles, cherchez vos noms et vos prénoms. On ne parle pas dans vos familles, cherchez vos trucs. Ma Flo, quand je t'appelle comme ça, il y a beaucoup de gens qui aimeraient que je les appelle pas. Il faut avoir le comportement. C'est quand même une star qui t'appelle. Non, elle s'adressait à Patricia en l'appelant Marianne au début. Ah. C'est enregistrement, même échange de voix. La justicière, même échange de voice. Donc, moi, je te laisse un voice. Je porte, je n'ai pas déposé quelque part. Par rapport à quoi? Hein? Bonjour mon bébé, comment tu vas ma chérie Stella? Je dis que même si, ok, je te laisse un voice, je t'ai laissé un voice, c'est à toi que j'ai laissé le voice, est-ce que je dois porter le voice pour aller avec quelque part? Je ne comprends pas, mais vous me faites, mais c'est inquiétant. Donc si j'appelle même quelqu'un, il n'est pas, allô, comment tu vas? Je te laisse le voice va se trouver quelque part. C'est-à-dire que Nadège échangeait, qu'est-ce que tu me suis? La personne dit oui. Yvette a fait comme ça. Quand tu me suis, oui. Après, je vais te dire mon vrai problème avec Yvette. C'est que Yvette a trahi à sa soeur, virgule. Que Nadège a couché avec le gars de sa soeur, virgule. Ça a choqué Nadège. Et la soeur a porté, venir dire à Nadège. Ça a choqué Nadège, virgule. Et maintenant, la soeur, comme elle est dans le piment avec Nadège et c'est sa collègue et qu'elles doivent protéger leur secteur de piment. Elle a préféré rabattre avec Nadège quand Nadège insultait Yvette. Oh, Yvette voulait la sauver. C'est comme ça qu'Yvette entre dans le truc. Franchement, tu es ma personne personnelle, donc pas d'inquiétude, ma princesse chérie d'amour. Ouais, okay. Bonjour mon bébé, c'était là. J'ai dit que ma faux. Quand elle te cherche, Il faut souvent prendre le téléphone parce qu'après ça, je passe à autre chose. Mon cerveau, il y a beaucoup de choses à mettre, tu vois, je dois formater les choses. Je dois formater les way dans mon cerveau, pas mal. C'est pas facile. C'est comme une disquette, mon frère. Il y a les tiroirs, mon frère. Le tiroir du Japap. Tu as compris, non? On peut faire ça. Quand Gobapa explique le problème qu'elle avait, c'est pas un gros problème. Gobapa, ta cible ailleurs. Gère avec tes collègues de pépé. Tu laisses ma manquer tranquille. Gobapa, normalement, tu devais pas être en train de clasher manquer. Parce que manquer toi, on n'est pas un rendez-vous. Personne n'a pris le gars de l'autre. Personne n'est sorti avec le gars de l'autre. Personne ne convoite le gars de l'autre. Normalement, tu ne devrais pas être dans le problème avec manquer. Ne va pas. Baisse ton cœur sur manquer. Concentre-toi sur les vraies cibles qui décident de te détruire. Ce n'est pas manquer. Manquer ne vend pas le piment. Tu comprends qu'on ne va pas. Elle a choisi sa voie. Elle vous côtoyait, certes, mais elle n'a pas choisi de faire le piment. Elle a choisi sa voie, ma chérie. Est-ce que c'est un crime? Quand tu écoutes ces enregistrements, tu te dis, mais finalement, ce n'était même pas un gros problème, quoi. Même tout ce que tout, ce qu'on a écouté sur les comédiennes, ce n'était pas quelque chose de, you know. Mais il faut quand même enregistrer pour le principe d'enregistrer. Waouh. Oh, j'en ai marre. Je suis dépassée, ma chérie. Yvette a trahi parce que c'est ta soeur. Quand tu as ta soeur, tu dois porter. Parce que tu dis que la grande soeur n'est pas une bonne grande soeur. Même si c'est frère soeur consanguine. À partir du moment où le sang à moitié est dans le corps, on doit se protéger. Yvette protéger sa soeur que méfie-toi. Même comme tu te tiens beaucoup à Nadège, vous êtes comme vous êtes, vous travaillez, vous faites ce que vous faites ensemble. Fais attention parce qu'elle a couché avec ton gars, un tel. C'est comme ça. Tu dois protéger ta soeur. Et si tu es la grande soeur, tu dois aussi protéger ta petite soeur. Mais ce n'est pas ce que Julie a fait. Oui, il faut le dire. Mais ça va faire 600 réunions familiales, il faut le dire. C'est la vérité. Pourquoi on ne va pas dire? C'est venu nous trouver sur Facebook. Vous m'avez vu, monsieur, j'ai dit qu'il y a une femme qui s'appelle Julie. Elle la connaît où? Je ne l'ai jamais vue. Elle n'a même pas envie de la voir. Mais vous prenez des saletés, vous venez. Voilà l'enregistrement. Il faut que Julie, elle-même, écoute l'enregistrement. Là. La Julie, là, la grande sœur, et la famille, même au complet. Il faut que je mette l'enregistrement.
Là, vous allez écouter comment Ngoba part en train de raconter ce qu'il a fait. Ma Flo, ma Flo dit qu'elle a un stage bloqué même. Ma Flo, tu as un stage bloqué chez Coco Kouetou. Ouais, Seigneur. Oh, on parle comme ça. Voilà les mamans, nous les mamans. En attendant que nos enfants soient se marier, soit nous faire les petits-fils que les grands-mères. Oui, comme notre monde national. Voilà que, on a assis. C'est les grandes choses. Donc, on dit que je fais tout sauf le tout. Donc, on dit que, oui, il dit aux clients, les enfants coupent de prendre les clients devant les enfants. Hey, on peut faire ça. Non, quand vous quittez sur les gens, vous êtes quand même méchants. Hein? Aïe, ça fait peur. Il y a un jour pour représenter le Cameroun, être blogueur, il faudra prouver avec un casier judiciaire propre. C'est la police qui va dire qu'on envoie l'extrait des casiers judiciaires avant d'être blogueur pour représenter le 203. C'est parce que le tout sinon, on a la camelote, toutes ces pimentées, ces pimentières du HLM. Ma fille Natacha de Monaco, la bombe, la beauté de chez beauté, celle qui est son piment, c'est le piment de luxe. C'est une pimentière de luxe. Une pimentière VIP. Elle a donné le conseil aux tireuses de valises, des pimentières du HLM. Parce que toutes là sont dans les HLM. Il n'y a personne pour attraper le HLM. Et elles sont dans les HLM. Elles sont toutes là. HLM. Les maisons à 100 euros, 80 euros, 200 euros. Même parfois, elles ont les aérés. HLM. C'est pitoyable. Alors, est-ce que vous avez des solutions? Trouvons des pistes de solutions. Ne parlons pas pour parler. Trouvons des pistes de solutions. Comment solutionner ce genre de situation? Ça, c'est ma question que je vous pose, ma crème des crèmes. Solutionnons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La dent, la douceur de la dent. Ma Flo. Ma Flo, j'ai entendu que la dent a la douceur. La quantité de viande que la dent peut croquer. On dit que la douceur de la dent. Aïe, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Le niveau des péchés, si qu'on fait là, ça va vite nous précipiter dans la tombe. Ma Flo. Ma Flo, j'ai entendu que la dent a la douceur. Quand la dent croque la viande, si tu t'amuses, quelqu'un met ses dents sur toi, on dit que douceur de dents, moi, il ne connaît pas. Lui, ça s'utilise que comment haut. Excusez-nous. Je ris comme ça, c'est que je pouvais être en train de pleurer. Je suis sérieuse. Hein. Je pouvais être en train de pleurer en vrai. Parce que Mais si quelqu'un pleure, ils vont arrêter. Ah, ils vont arrêter quoi? Il y a les enregistrements qui sont aussi importants des fois en justice. Hein. Tu pars pour porter plainte comme ça. Tu as un bon enregistrement qui te sauve. Hein. Anne-Clarisse, maquette. J'espère que tu as laissé ma monjang à Anne-Clarisse. Comme monjang. Parce que l'on nous monjang, l'on nous goye, l'on nous monjang, l'on nous goye, me brocrine. Il est temps que nous utilisons la toile pour des choses sérieuses, pour éduquer les femmes et les enfants. Merci beaucoup, Mireille. Mais je crois qu'il y a toujours la désorientation du Japon. Irène, partage-moi. Quoi? Partage-moi, quoi? Je partage quoi, papa? Natacha dit que les filles, là, gâtent le marché. Chacun a son problème. Natacha reconnaît. Elle a même fait la chanson. C'est pour ça que j'aime cette fille. C'est ma fille. Elle, là, je ne vais pas accoucher une fille de son âge. Oui, c'est ma fille. Natacha reconnaît. Elle est... Ça dit qu'elle vous dit même qu'il faut être de luxe. Il faut avoir les manières. Ça dit que tellement que quand on veut même te donner quelque chose, on t'achète que l'appartement. Est-ce que nous, je repose la question, on doit solutionner, comment faire pour solutionner le problème? Je ne vais pas seulement dire les pimentières, parce qu'il y a même une banquière aussi. Donc, ce n'est pas juste les pimentières, ça dit l'enregistrement se fait émetteur-récepteur. Comment faire pour solutionner ce problème qui mine notre toile camerounaise, entre autres? Ça dit le problème, je peux citer quoi? Je peux citer les rabaissements, la vie de débauche, les enregistrements, les versements tribord bâbord. C'est des trucs, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? On est obligé de créer un couloir et de suivre ce couloir-là. Si vous me dites ce qu'on va faire, dès demain lundi, je suis ça. Je ne veux plus, je suis fatiguée. Ça me bouffe l'énergie positive. Moi, je suis appelée aux grandes choses. Je suis une conférencière en devenir. Comment on fait? Comment on va faire? Aidez-nous. Et aidons.
Aidons-nous à céder. Comment on va faire? Ma Flo, je vais te prendre en vidéo ici en direct, tu vas te voir. Ma Flo dit qu'elle est en stage. La douceur de la dent, là, elle va apprendre ça. Donc tu vas venir nous montrer la douceur de la dent. C'est fou. Quelque chose. Quand on était jeune, je vais un peu vous ramener dans la jeunesse. Quand on était jeune, plus jeune encore, la tendre enfance même, on ne nous parlait pas même de comment faire pour concevoir un enfant. On nous disait, je me souviens qu'on va à l'hôpital porter le bébé, qu'on arrive à l'hôpital, on ne remarquait pas que le ventre de maman gonfle. Et quand même ça gonflait, si on avait une question dessus, elle dit qu'elle a beaucoup mangé. Et elle disait que pour l'enfant, j'ai dit, maman, tu as pris l'enfant, ou qu'elle part à l'hôpital, elle revient. Elle dit seulement qu'elle a pris l'enfant à la porte de l'hôpital. Même si on avait 10 ans, 12 ans, on pouvait être toujours dans cette idée-là. Et parfois, même le ventre de maman rebaisse, on n'a même pas fait attention. Parce qu'on jouait tout dehors, on nettoyait nos amis. Je ne sais pas si on voyait même les parents. Ok, là. On nous a tourné là-dedans. C'est quand on est allé à l'école. Peut-être en classe de 4e ou de 5e, 4e, qu'on parlait de la fécondité. Il y a les gars, de toute façon, dans la classe, il y a les troubleurs, là. C'est là qu'on parlait ça. Tu savais qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Même si quelque chose, tu n'avais pas notion. Mon jour d'aujourd'hui, là. La façon déjà que nos enfants sont émancipés, précoces et tout, avec les réseaux sociaux, ils voient tout ce qu'ils veulent. L'enfant a un ordinateur, il est dans sa chambre ou sur sa tablette, tu ne peux pas imaginer où il a poussé. Dans quelle émission il est. Tu ne peux pas imaginer. L'enfant connaît tout. Tu comprends, non? L'enfant a 10 ans, 12 ans, il est déjà, il connaît comment on fait. Même le spermatozoïde peut dessiner ça. Ils sont tellement émancipés maintenant. Alors, associé à ça maintenant, les vieilles chouettes qui nous parlent de la douceur de la dent. La dent, il y a tam que l'eau, un choc mbapi, un herbe dentier, dent, douceur. Non, je te laisse, Clarisse, c'est parce que tu avais choisi ce jour d'entrer sur Maman Dang. En Congo aussi, ne te laisse pas. Quand tu décides d'entrer, tu entres sur les deux ou tu les laisses. Parce que personne ne pourra attraper l'autre. Tchao, puis non. Voilà, Cindy Fox, je te salue, le Mania. J'ai dit que nous, aujourd'hui, on nous parle de la douceur des dents. On nous parle de la langue de varan. Nous savons que le varan, c'est un animal, comment je peux dire, c'est un reptile, le varan. Quelqu'un dit qu'elle a la langue du varan. Je crois que le varan, comment il se sert de sa langue? Je ne sais plus si j'ai bonne mémoire. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans le direct, nous dit? Animez aussi le direct, je bavarde moins, non? C'est comment est-ce? Vous faites trop parler, je vais partir. Hein? Je n'ai même pas fait les directs. Quelqu'un dit qu'elle a la langue du varan. Elle-même qui le dit. Et qu'elle est incontournable. La langue du varan. À quoi sert une langue? La langue sert à communiquer. Mais quand tu dis langue du varan, ça veut dire quoi en fait? Le varan, quelle est la spécificité de la langue du varan? On peut nous dire ça. Il y a beaucoup de choses que nous allons vraiment... Il y a beaucoup parmi nous qui nous allons vraiment mourir bêtes sur les réseaux sociaux. Et il y a une minorité de gens, quand je les compte, elles n'atteignent pas 10, qui sont des pimentiers chevronnés, qui se tiennent et se soutiennent. Ce matin, j'ai compris que la maman des Bogos, c'est une abeille et elle doit que soutenir sa collègue de piment qui est flore. J'ai compris ça ce matin. J'étais estomaquée. Parce que cette femme semble avoir beaucoup de choses. Il y a aussi les réponses de la maman des Bogos. Parce que quand quelqu'un te parle, c'est émetteur-récepteur. Il y a une bonne raison pour laquelle j'étais communiquée ou whatever. Mais elles sont quand même, elles ont les antécédents, elles ont les choses. Peut-être même, l'autre peut venir dire, okay, il y a le secteur là, marche. Le simple fait que je suis allée dans le secteur là, mieux je la soutiens parce qu'elle peut verser que j'étais au secteur. Et la paix très vite, longue, et la très vite. Ah! Donc c'est une longue langue. Si la langue est courte, si la langue est longue, c'est quoi la différence? Parce que, vous savez, nous avons des personnes, ça c'est la dépravation. Des mœurs, c'est là. Attends, on entre dans une phase de je sais pas. Je sais pas si tu peux dire phase de latence, mais la toile est stagne. Ça bouge plus là. C'est jamais. Et qui ont dit que jamais, c'est touffu, c'est embouteillé. C'est jamais. Ça bouge plus. Le varan a une longue langue. Puis, qu'est-ce que ça fait? Donc, c'est parce que c'est long que ça fait le travail ou parce que c'est court? Je ne sais pas.
Tout ça, on spécule, hein, on cause. Mais comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire pour nous en sortir la toile camerounaise? Je m'adresse ainsi aux gens, c'est-à-dire aux gens du net qui ont l'habitude de faire des directs et être présents et que vous suivez et que vous accompagnez. Ah, elle utilise sa langue très vite et ses deux extrémités séparées. Ok. Donc c'est pour ça pour Coco va très vite. Parce qu'elle va que tu me plais. Je t'aime bien, tu me plais. Ma pépé, tu me plais. Je t'aime bien. Et Dieu. Et puis ça vient nous trouver. Coco, ma pépé te dit que je ne veux pas que tu manges. Je ne veux pas que ça sorte sur Facebook. Ce que tu vas me sentir, tu viens mettre quand même, maman. Vous n'avez même pas de respect pour les gens. Je sais que ce n'est pas peut-être ton aîné, peut-être vous avez même âge. Mais même à ça. Seigneur. Sa soeur Bamoun Foumban. Hein? La Guigui, Mbombo Guigui, a dit qu'elle passait sur son direct aujourd'hui, elle devait tout expliquer. Que Coco Kouetou allait tout expliquer. Elle va nous expliquer quoi? La souillure, la honte de toute une communauté. Même Ngoï, que je parle là, Ngoï est victime de Coco. Je dis ça, Roha. Ngoï n'est pas des moindres, mais pour le moment, c'est là. C'est Ngoï qui est victime de Coco. Je mens. Que quelqu'un vient entrer ici pour me dire que je mens. Où sont les mouches? Appelle-moi les mouches là. Si ce n'est pas Ngoï qui est victime de Coco. Coco. Tout le monde est victime de Coco. Sa sœur Guylaine est venue se réjouir de ça. Ça paraît. Coco les domine. C'est une dominatrice puissance N. Ngoï semble dire qu'elle est dominatrice. Ça avait les bouts des lèvres. Coco est dans les actions. La douceur de la dame, maman. La douceur de la dame. Tu parles de quoi? Moi, je ne savais pas qu'une dent est douce. En tchokombap. Sorin tchokombap. Venez me dire ici les mouches. Si votre patron n'est pas victime de la langue de Varan. C'est elle qui est la dominatrice, Coco Kouetou. Il n'y a personne d'autre. C'est elle et elle seule. Elle tient tout le monde en haleine. Je dis tout le monde. Mon nom est sorti. Nathalie Babale m'a bloqué. Mon nom est sorti. Dans les ajustements de Tikin Tuya. Je vends l'autre piment. Mon nom est dans mon nom est suisse. Son piment en même temps. Ça ne s'est même pas offert à moi la vente de piment dans mon cursus de jeunesse et de vie à Dieu. Ça ne s'est pas offert à moi et ça ne peut pas s'offrir. Je suis une femme qui connaît, c'est-à-dire que je sais travailler et trouver des moyens pour améliorer mes conditions et je sais me battre. J'ai toujours, c'est-à-dire que je travaille. Je sais aller chercher, je sais même faire, me mettre même dans l'état d'aller encore maximiser dans ma recherche de revenus. Je sais le faire. Maman, la douceur des dents. Je vous ai demandé l'autre jour de m'expliquer. Personne ne m'a expliqué. On n'est même pas capable d'expliquer la douceur de la dent. Vous avez une douceur. Tu peux avoir sur le dentiste, boulou, apparaît. Quelle douceur. Si même la dent avait une douceur, c'est que quand le dentiste se passe dans ta bouche, c'est le sang qui coule parce qu'il devait être en train d'écraser la chair. Nous autres, quand il tape comme ça, j'entends caca. Jusqu'au cerveau. Douceur de la dent. Non, vous avez décidé sur nous. Mais c'est notre faute. C'est notre faute. C'est notre faute. Parce que nous avons élevé la médiocrité. Nous sommes en partie responsables. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau, nous sommes rendus. Parce que c'est le cap vers le nouveau départ. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous demande, personne n'est dans le direct. Donc je coupe le direct et je m'en vais. Parce que je ne peux pas trouver les solutions seule. On doit trouver ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je donne 5 minutes, personne n'appelle dans le direct, moi je coupe, je m'en vais. Et on va partir sur cette réflexion. On va tous penser ce qu'il faut faire. Moi aussi je vais réfléchir de mon côté, mais vous devez aussi me dire ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut se tirer d'affaire? Parce que tout le monde est victime. Il n'y a personne pour rattraper l'autre. On enregistre tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi à Paris. Tu laisses un audio, c'est enregistré. Comment je t'ai laissé un audio? Mais vous le supprimez, moi je supprime souvent les discussions. Quand je suis dans un forum, dans un groupe, je supprime les échanges des discussions. Je supprime tout parce que ça boit la mémoire du téléphone. On m'a dit stockage plein. Tu pars dans WhatsApp, tu vois que là-bas est comme ça. Tu réduis comme ça. Pour réduire, il faut supprimer les conversations et toutes les photos qui sont dedans avec les gros fichiers lourds qu'il y a dedans. C'est comme ça. Je ne garde pas. La douceur de la dent. Maman, je donne les mains.
sa grande sœur Guylaine, la Foumanaise des temps modernes, c'est-à-dire que la Foumanaise dit qu'elle va venir faire le direct pour que sa sœur s'exprime. Elle protège sa sœur au détriment de sa nouvelle patronne, Ngoï. Il est à noter qu'Ngoï est une victime. Nous devons noter ça. Laissons blague à part des chicanes là. Ngoï est victime. Les enregistrements de Ngoï, elle-même, ça l'a mise à Bassoudi. Elle est assise par terre. Elle-même ne comprend pas. C'est pour ça qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle est. J'y vais. Elle a dit que la nuit portait conseil. Peut-être demain, elle va nous balancer tout. Mais même à ça, elle est j'y vais. Parce qu'elle ne sait pas jusqu'où on la tient. Coco est capable de tout. You nao, you biou, Coco, you biou, you nao. You biou, you nao. Les paris, les enregistrements à Paris, mais c'est la magie. Tu appelles quelqu'un, tu dis bonjour, on t'enregistre, au revoir, on t'enregistre. Donc, parlez aux gens en sachant ce que vous leur dites et en vous entendant. À partir du moment où vous parlez et vous ne vous entendez pas parler, reformulez. Restez, faites les exercices à la maison. Non, mais attends quoi. On peut faire ça? Je vais faire une sieste aujourd'hui. Je vais prendre une sieste pour pouvoir étudier le soir. Entendez-vous parler. Parlez, vous entendez parler. Je vous suggère ça. Ah oui, hein, c'est de notre faute à nous tous. On élève les gens qui bafouillent les mœurs et se moquent des gens. Oui, oui, qui travaillent du voilà où tout ça nous a entraînés. Oui, oui, c'est notre faute. Nous devons maintenant reconnaître le travail des mains de X, Y personnes. Nous devons le reconnaître. Nous ne devons pas se moquer. Celui qui balaie la rue, c'est un travail, c'est de valeur. Celui qui coiffe, la coiffeuse, c'est de valeur. Je me suis rappelé ici qu'on clashait notre soeur d'un autre pays, Marie, là, on disait qu'une tresseuse comme ça. Vous savez ce qu'une tresseuse peut faire avec son salaire aux États-Unis? Beaucoup de merveilles. Riche jusqu'à être construise les gros domaines dans leur pays, même. Aux États-Unis, elles habitent dans les gros domaines. Les tresseuses que vous appelez là. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas. On doit commencer à valoriser chaque chose. Le cuisinier, le je sais pas moi quoi. Bon, encore les métiers, même encore des comme plombier, machin. Non, c'est même trop de valeur. Ça coûte tellement cher ici. Un plombier, il a fait venir un plombier, c'est la magie. Tout le monde est une victime. Et l'Afrique souffre des causes de notre pauvreté mentale qui entraîne notre pauvreté matérielle. Oui, la pauvreté mentale qui entraîne la pauvreté matérielle, oui. Et l'esprit de, comment je vais dire, du matuvisme, parce que nous avons aussi ça, le matuvisme, ça n'a pas aidé. Et je te bloque, imbécile, chaque jour je le dirais, tout le monde ne paye plus mon internet, je me fous, non, voilà, je l'ai bloqué, chaque jour je le dirais, imbécile, qu'est-ce que j'ai fait ici, tu connais mon revenu, regarde-moi quelqu'un. Oh, elle m'a publié, Malise. Oh, je t'ai dit, j'ai vu le mari de ma maman, Malise. Son mari s'appelle comment? Elle me donner le nom de l'artiste. J'ai peur de prononcer, c'est pas le bon. Mais j'ai un nom dans ma tête où c'est Timmy, quelque chose. C'est ça. Hein? Timmy, quelque chose, non? Il a chanté à l'Olympia. Oui, j'ai fait une photo avec lui. Avec ma belle tenue. J'étais habillée par Tiffany Style. Oui, les mouches m'ont insulté que c'est Tchouki. Maman, ce n'est pas Tchouki. On a cousu ça à Banganté. N'achetez pas pour vous. www.tiffanystyle.ca. Oui, je t'ai habillé par Tiffany Style. Ensemble, là. Vous pouvez commander ça online. J'ai un code promo. Reine Mère Bio 70. Avec ça, tu as un rabais de 10%. Ouais. C'est comme ça. Quelqu'un dit que le Japap est quoi, hein? Le Japap, c'est bien, mais c'est pas une raison de vivre. Oui, c'est pas une raison de vivre. Il faut après savoir quitter, là. C'est un peu abusé, là. On commence à être fatigué. On nous parle des audios depuis 3 semaines. C'est bon, là. Restez avec vos audios. Restez avec vos audios. Mais j'ai dit qu'on ne va pas être fâché. Aux États-Unis, les tresseuses gagnent bien leur vie et construisent leur maison au pays. Elles paient même les études de leur enfant. Mais oui. Mais on va t'insulter, tresseuse. Ngoï, qu'elle insultait. Ah, là-haut, c'était qu'une tresseuse comme ça, hein. Tu crois que quoi? Une tête plus, une tête plus, une tête, tu sais comment ça fait à la fin. Hello, quand je suis brûlée. La reine bio, chaque chose en son temps au Cameroun. Un Cameroun nouveau est possible après toutes ces révélations. Merci, ma chérie. L'espoir fait vivre. On va essayer de s'atteler à ça. On va voir ce qu'on peut faire. Mais je suis vraiment déçue, quoi. C'est dégueulasse tout ce qu'on vit là.
très dégueulasse. Donc Malice m'a mis sur son mur. Hein. Moi, je ne connais pas son mur. Vous pouvez me taguer là-bas. Parfois, il va rester, on va m'envoyer inbox indirect. Mes ongles sont dus pour être remplis. Hein. Il va rester, on va m'envoyer une. Le nom de la mère Android. Biba Bifana. Biba Bifana, c'est son compte, ma chérie. C'est ça son compte, Biba Bifana. Tu vas aller voir. J'ai fait les photos avec son mari quand on attendait la voiture. Pas tombé à l'étage, chercher la voiture et j'ai fait les photos avec son mari. Maman. Donc, vous dites que quoi alors? Personne pour entrer dans le direct pour parler. Moi, je vais devoir partir. Je vais faire une sieste. Je me sens vraiment. Je me sens vraiment fatiguée, bizarre. Chimbu. Le nom de son mari. Ok. Merci pour les étoiles, ma chérie Carole. C'est très gentil. Merci, merci. Moi, j'aime quand mes habits ont l'élastique ici. Hein. J'aime bien dégager mes épaules. Hein, maman? Les épaules de la yoyette. Donc, c'est ça. Moi, j'ai peur de Paris. Je vous ai déjà dit. On doit vivre en faisant attention. Ces femmes sont prêtes à tout. Elles ne reculent devant rien pour détruire leurs semblables. Et moi, tout simplement, je... Franchement, c'est bon, quoi. Il fait un peu froid, les coccinelles volent. Pareil, maman, il y a encore beaucoup de coccinelles comme ça. Il fait un peu froid. Le nom de l'artiste, Biffa Bifana. Ah bon, hein? Mais Biffa Bifana, ok. Mais c'est son nom. Quand il est monté sur scène, il a un nom bizarre, là. Un nom que j'entendais quand j'étais petite. Avant Biffa Bifana, il avait un ancien nom. Non, c'était quoi? Il a un nom qui n'est pas Biffa Bifana. Je ne sais pas, en tout cas, peut-être c'est son nouveau nom. Mais il avait un nom. Je crois que Tata Lolo m'avait dit son nom, là, mais je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Ce n'est pas ce nom-là qu'on m'a donné là-bas. Mais bon. Je vais voir la photo. Je vais voir. Bibacho. Ah, Bibacho. Ok. Bibacho, ok. Moi, je ne connais plus. Le nom qu'on m'a donné faisait comme un nom que j'avais entendu avant. Et sa chanson qui chante aussi, je me rappelle de ça. Chanson qu'il a chanté, je me rappelle quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, on sentait beaucoup ça. Ça chantait un peu partout, quoi. Donc, c'est ça. C'est quoi ton point? Tu vas mettre ton numéro, ils sont pas où avec ça. Hein, toi là qui vient mettre ton numéro, ils sont pas où avec ça. Peut-être qu'on cherche les numéros ici. Pas venir salir le mur des gens. Hein. Pas avec ton numéro loin. Pas besoin de ça. Peut-être qu'on cherche les numéros. Nous, on est en train de trouver des solutions pour notre communauté parce que c'est très grave. On enregistre de partout. Bonjour, on enregistre. Au revoir, on enregistre. Coco cause avec quelqu'un pour rien, il enregistre. C'est comme ça. Non, c'est dommage. La méchanceté, hein, ça a pris un... Ça a dit qu'une allure très démesurée chez les caméras. C'est compliqué. Donc, c'est un peu ça. Je vous aime beaucoup. C'est son nom et on la voyage souvent, Bibacho. Ok, Bibacho, ok. C'est bon alors. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite de passer un bon dimanche après-midi. Moi, je vais aller m'occuper de mes choses. Je vais me reposer un peu après. Je dois me lever pour étudier. Je venais souvent vous dire que les enregistrements, hein, ça commence à bien faire. Ça suffit comme ça. Excusez nos oreilles et nos yeux. Gardez même le reste pour vous là-bas. Partagez ça dans vos milieux, garçons. Hein. Nous, on est déjà trop tannés de tout ça. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Alors, c'était la maman de l'heure juste. J'ai dit, je viens un peu en direct vous voir. Ça me fait plaisir de vous voir et échanger un peu avec vous. Donc, je donne 5 minutes de questions, puis je m'en vais. Si tu as des questions, moi, je vais penser aux solutions de mon côté. Vous aussi, pensez-y. Mm, 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 mm.
Oh chérie, imbécile amour. Déjà enregistrer une personne à son aise. Oui, je sais que c'est condamnable aux yeux de la loi, mais des fois aussi, selon un autre article de quoi, qui fait quoi, on a aussi le droit d'enregistrer parce que c'est aussi une preuve en justice. C'est deux poids, deux mesures hein, dans tout ce qui concerne la justice. Donc, mais quand on n'est pas en train d'aller en justice, comme tout ce que j'entends là, la douceur de la dame nous amène en justice, comment? Pourquoi enregistrer pour salir quelqu'un? Si elle, la dame qui est dure, que je connais, que vous connaissez, devient doux, pour nous quoi? Hein, noblesse? Je sais pas. Parfois c'est pour salir, comme celle qui a dit que l'autre prend les clients devant les enfants. Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? N'est-ce pas, les vocaux là étaient bons à vous au départ. Maintenant, on arrête. C'est un bracata. C'est bon à moi quand les fesses d'Ongoï sont dehors, quand le monde entier découvre ce que je parlais depuis. Ça, c'est bon à moi. Mais quand je dis on arrête, Patricia Mel est la première à sortir et dire à Ngoï de ne pas se lever contre Nadège parce que Nadège a Satan 4 contre elle. C'est aussi une façon de dire ne viens pas taper ta main, mettre ta tenue militaire, ça ne vaut pas la peine parce que si Nadège sort, ça risque d'éclabousser beaucoup. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, les éclaboussures? Ça dit, d'un côté, ça ne me fait rien, d'un autre côté. Maintenant, moi, de choisir mon couloir où je vais évoluer et de créer ma trajectoire et de la suivre. Parce que dans le fond, celle-ci qui vient de mettre la maman des beaux gosses, je ne peux pas te dire c'était quoi sa feuille de route, là. Que la maman des gosses prend les clients avec ses enfants qu'elle ne prend pas. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça dit, c'est ses enfants. Quand ils vont grandir, c'est les garçons, les filles vont monter pour dire, maman, qu'est-ce que tu nous montres, là? C'est pour eux, là-bas, dans leur maison. Moi, quoi dedans? Donc, tu vois que ça devient comme on réduit toujours à dire que chacun sa vie, chacun sa merde. En conclusion, en réduction, c'est ça. Moi, quoi dedans? Quand on dit que c'est bon à nous, c'est parce que pour moi, personnellement, quand ça touche Ngoï et sa meute, c'est bon à moi. C'est quelque chose que ce n'est pas. Je ne sais pas comment je peux exprimer ça différemment. Oui, il y a c'est ça que je t'explique, noblesse. Il y a des cas où l'enregistrement fait preuve de justice. Mais ces filles, je ne sais pas si elles voient la justice. Elles n'ont même pas l'argent pour se nourrir. Elles peuvent payer les frais d'avocat? Non. Si quelqu'un te colle même un procès aux fesses, on colle le procès aux fesses des filles, des HLM. Elles vont seulement pleurer partout. Elles vont prendre l'argent où? On a vu Coco demander l'argent à la cantine à un client. On a vu Coco amener les clients vers son enfant. Elle dit qu'elle ne veut pas que le client s'attache à son enfant. Des affaires comme ça. Demander l'argent de la cantine à un client. Et tu enregistres quoi dans la demande d'argent de cantine? C'est ça, je t'explique que ça devient. C'est vraiment terrible. Ça n'a plus de sens. Dis encore que la fille, si m'a fait du mal, je vais la piéger. Elle avait aussi fait du mal à telle. Je veux prouver à telle qu'elle a aussi fait. Tu la pièges, elle parle et puis tu viens mettre peut-être. Et même à ça. Vous savez qu'après, à la fin de la journée, on s'en fout. On s'en fout, c'est un bracata. À la fin de la journée, on s'en fout, ma chérie. Parce que chacun voit midi à sa porte. Hein. Quand il est midi là-bas où tu es là, où c'est pas le soleil de ça ne vient pas briller devant ma porte, là, ma chérie. Là. C'est chez toi que ça va briller parce qu'il est midi. Peut-être ici, il n'est pas encore midi. C'est comme ça, chaque pays, son continent, et c'est je vais dire, voilà. Moi, je sais pas, en tout cas. Donc, elle fait une sieste aujourd'hui, là, parce que, on dit que le président des blogueurs dormit en direct jusqu'à ronfler. Est-ce que le Japap est facile? Japap, mon amour, est-ce que tu es facile, mon amour? Japap, mon amour, est-ce que tu es facile, mon amour? Japap n'est pas facile. C'est facile. Que tu te connais que, hey, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je vous aime beaucoup. Passez un excellent dimanche. Hein. Et on se voit. Je sais pas si je vais faire un direct demain, parce que demain, je reprends ma semaine très chargée. Je vous aime beaucoup. C'était la maman de l'heure, juste très naturelle. Il a dormi sur deux directs. Ouais, le président est fatigué. Est-ce que Facebook est facile? Mais la tenue militaire veut dire que quoi, elle m'aime bien. Pour dire qu'elle est de l'armée la plus redoutable et puissante du monde. Le président du coquille avec un renflement agressif à peine 5 minutes après avoir lancé. Ah oui, tu as l'enregistrement de ça, le président. Dit le président du coquille, c'est un bracata. Vous êtes quand même virulent, hein, vous tous là. Il n'y a pas quelqu'un qui est simple chez vous là. Président du coquille, yeah. Attends, il est Mbo, oui. Je crois que du camé est Mbo. C'est pour ça que tu dis ça. Parce que les Mbo, on les appelle Mbo coquille. Est-ce qu'il est du camé est Mbo, ma chérie? C'est pour ça que tu dis président du coquille. Vous là, hein. Vous injures son détail.
Est-ce que vous nous donnez là-bas le crédit là-bas là sur Facebook? On t'insulte, tu confirmes. Et t'es dit, tu as repris ta mbakata pour les vocaux, non? Quand ça sort, c'est Sungoi, c'est bon à nous. Mais là, c'est clabousse trop. C'est-à-dire que... Et puis c'est comme elle cause des comédiennes. Et puis elle cause avec une comédienne et elle cause des autres. Ça peut arriver, on débat. Comme M. Mvembaya à Yaoundé, on peut dire que M. Mvembaya à Yaoundé, biscuit demain, ça ne veut pas dire qu'on a fait le Congo. Ça, c'est mon cause. Ah, il aime beau Koki. Ok, c'est pour ça. Ah, yeah. Stambakata, tu as la bouche. Hein. Même Stambakata, je sais qu'elle m'insulte souvent. Est-ce que c'est la Stambakata là? Non, encore pas que celle-ci m'insulte. Il y a une Stambakata là qui m'insulte souvent bien. Ah, depuis là, les injures font mon quoi. Donc, voilà. Est-ce que la Guigui, la Mbombo Guigui, c'est à connecter pour sa petite soeur Coco en soutien? Je ne sais pas. Mais nous devons réfléchir. Quoi dire, à qui parler, quand bien on veut s'exprimer, quelqu'un de laisser les zouzou, parlons même de vive voix. Mais même si tu parles de vive voix, tu es sûr ou s'il enregistre ou pas. C'est ça le problème. C'est terrible. Vraiment terrible. Moi, je suis estomaquée. Je n'ai pas de mots. Je ne sais pas. Les gens de Paris me font très peur. C'est comme si quand quelqu'un va maintenant m'appeler, il va dire que oui, tu appelles, tu veux quoi? Merci de la réponse, ma soeur. J'ai répondu même que quoi à Kingdom. Ah, mettre la tenue militaire. C'est Ngoyi qui mettait ça depuis des années, mais c'est démodé tout ça. Il faut upgrader, là, on est en 2022. Là. C'est démodé, elle mettait ça, elle tapait la main, les États-Unis, machin, ceci, elle faisait tout son show-off là. Ça c'est démodé pour le moment là, peut-être si elle met la tenue de la Russie, peut-être on va savoir qu'elle entend guerre, vrai parce que là où elle parle de sa tenue là, si c'est tout la tenue des Américains là, c'est que vraiment c'est démodé à faire des tenues militaires. Donc je vous aime, hein. Je vais pas, bisous, je vous aime, bye.